c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous parler comment avoir un bon jeu de jambes, pour avoir les jambes dynamiques, pouvoir se déplacer assez rapidement. Donc j'ai un petit exercice là que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est un exercice normalement qui se fait à deux. Je dis bien à deux, pourquoi? Parce que quand je vais vous démontrer, normalement on doit être à deux parce que c'est, on doit avoir des chaussons de karaté classiques. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est ici, on met les mains derrière le dos, donc je vous montre de face, on a les mains derrière le dos, on est en position, l'autre va venir essayer de marcher sur un de nos pieds, tout en gardant les mains derrière le dos, il va venir piétiner nos pieds, et nous devons esquiver, taper des esquives, bon, pointer, bon, pointer, tout ça. Donc là, je vous montre de dos, donc c'est un travail qu'on peut effectuer, donc on est ici, déplacement, boum, 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 feinte, feinte, boum, bam, voilà. Très important, gardez les mains derrière le dos et c'est que les pieds qui avancent. On est en sautillement, toujours sur les cochis, pas sur les talons et sur les cochis. Et là, on bouge, on feinte, on feinte, on feinte. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Certes, elle est courte. C'est un exercice que vous devez répéter au fur et à mesure pour muscler les guiboles. Et puis après, en compétition, ben, pouvoir avoir des bons déplacements, des bonnes. Être assez tonique. Voilà. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne. Bien sûr, j'essaierai, comme je dis toujours, je sais que ça prend du temps, je sais que ça fait tout ça, mais dès que je peux en faire des meilleurs, j'en prie des meilleurs. Donc voilà, je n'hésiterai pas aussi à contacter quelques collègues à moi aussi pour faire des vidéos avec moi aussi. Parce que j'ai plein d'autres inspirations. Donc bien sûr, encore une fois, je reviens sur mes inspirations. Bien sûr, ça tombe bien. C'est inspiré de Raphaël Agaïev, cet exercice que l'on peut voir dans ces séminaires. Donc voilà, moi c'est pour la dynamique des jambes et les déplacements, voilà. Donc merci d'avoir visionné ma vidéo, abonne-toi si t'as aimé, lâche un pouce. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.